Et salut tout le monde! Ça fait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo, donc là je vais faire le petit point que j'avais dit un coup en commentaire sur mes lipos, donc les différentes marques de lipos que j'ai. Donc je vais commencer par les Traxas. Donc ça c'est les premières Traxas que j'avais achetées. Donc elles sont un peu un peu gonflées, mais parce que du coup à cause du VXL3S qui coupe vachement bas, j'ai pas fait gaffe et j'ai beaucoup tiré, donc du coup elles ont gonflé, mais elles sont toujours fonctionnelles, elles ont au moins 100-120 impacts. Donc là j'en ai encore deux comme ça. Et là j'en ai racheté du coup des toutes neuves, donc c'est de la 4000 et là j'ai acheté de la 5000 pour voir ce que ça donnait. Bon, celle-là, je m'en sers surtout vraiment, voilà, petit 1 dixième ou crawler. Du coup, je ne leur tire plus trop dessus. Pour ceux qui trouvent que du coup, parce que bon, voilà, il y avait le côté pratique aussi, c'est pour le gamin, par exemple, il a un Stampede, je ne vais pas changer la prise, c'est simple, ça, c'est sécurisant. Pour ceux qui trouvent que du coup, les batteries Traxxas sont très chères, et c'est vraiment le cas. Il y a ça, les HRB là, avec la prise Traxxas, qui fonctionne vachement bien pour deux fois moins cher, à peu près. Allez, une 4000 comme ça, celle-là c'est 80, ça, ouais, je les ai eu à peu près 40 euros en 4000. Perfo, c'est kiff-kiff. Autonomie, on est bien, chauffe, pas de problème. Ça tient bien. Je les ai même utilisés dans le sledge en 6S. Ça n'a pas posé de problème. Qu'est-ce que j'ai? Je fais le tour un peu de la popote. Les Gensage Bashing 5000 en 50C. C'est là que le bât blesse. J'en ai 6. Donc 5 en 50C, donc 4 comme celle-là en soft case qui sont HS, cellules dégagées. Après, attention, hein, moi je suis un bourrin, je tire fort sur mes lipos et je les charge en 1C. La 60C, c'est des lipos qui ont un an à peu près. Hein. Bon, après, qui ont pas mal de packs. La 60C, j'en ai une qui a dégagé. Donc là, j'en ai racheté des toutes neuves en 50C que j'essaye de tirer moins dessus pour voir si ça vient vraiment de moi le problème. Mani qui n'est pas satisfait avec les DXF. Alors moi j'ai pas les HV. Je les ai achetés donc l'année dernière. Elles sont au graphène aussi. Mais c'est pas les HV, c'est les normales en 100C. Je les utilise dans le X-Max. Je les utilise aussi quand je fais du 4S dans mon buggy, dans l'HyperVS2. Moi, j'ai pas de souci avec. Elles sont toujours bien équilibrées. Moi, j'ai pas eu le problème qu'il a eu par exemple sur les résistances. Les résistances, elles étaient déjà tout de suite basses au départ. Elles sont aux alentours des 2, 3, pas plus que ça. Et elles tiennent. Donc là, j'en ai une paire. Pour l'instant, ça tient. Et c'est vrai que le rapport qualité-prix pour moi est très intéressant. En 4S, j'ai ça. Les gros mastodontes là de chez Genseis. Avec les prises jaunes, donc ça c'est de la 100C, c'est de la 8000 utilisée dans le X-Max. Tout petit peu gonflé, mais bon, pareil, hein, tiré beaucoup dessus, donc un tout petit peu gonflé, mais toujours bien équilibré. Les résistances toujours au ras des pâquerettes. C'est des enclumes, ça pèse un âne mort. Par contre, ça a une patate d'enfer. Dans le X-Max, ça c'est de la 6005 encensée, ça c'est de la 8000 encensée, on voit quand même une différence. Le 100C DXF, ouais, pas convaincu. 100C Genseis, oui. En autre 4S, là j'avais jamais acheté, j'ai essayé ça cette année, des Easy 6002.
80 C. Elles sont pas trop lourdes. C'est du hardcase. C'est pas cher. Je suis moyen convaincu sur le 80 C. J'ai un doute. Et autonomie, soi-disant 6002, je les rentre pas. Coupé à 3-4, je rentre même pas 5000. Après, c'est pas cher. Pour l'instant, toujours équilibré, toujours bonne, nickel. Elles ont pas beaucoup de packs. Hein. Elles doivent avoir 6-7 packs peut-être. Gen 16, alors celle-là, j'ai de la comme ça aussi. Pas de soucis, c'est de la 50C, c'est de la 3S, hein, ça. Ça va nickel. Et enfin, je termine par ça, là, les Yum, qu'on voit beaucoup sur Amazon, etc. 60C, 4005, patate, pas convaincu du 60C. Parce que par exemple, si je roule 2-3S en série et ça en 6S, du coup, parce que ça c'est des 6S, les Gen 6 ça a plus de gouache que ça. En Kappa, là, même descendu à 3-4 par cellule, je mets 3007-3008 maxi. Les 4005, on les rentre jamais. Après, eux ils doivent mettre 4005, à mon avis c'est la coupure, on la coupe à 3-2. 3. Alors celle-là justement j'y vais mollo avec. Je les descends pas en dessous de 3-6. Donc je les utilise dans le J-Kong, dans plein d'autres choses. Bon, ça a l'air de faire le boulot pour l'instant. Elles ont quand même déjà pas mal de packs. Elles ont pas gonflé. Une particularité de celle-là, par contre, c'est quand on les charge, alors je les charge en 1C, elles deviennent douces. On les sent, elles sont un petit peu chaudes. C'est les seules lipos que j'ai qui font ça. C'est un peu bizarre. L'équilibrage, nickel. Elles sont autour des 1 à 2. Pour l'instant, le prix est très intéressant. La 2-6S, 2-6S 100 euros, quoi. Donc c'est ça aussi qui fait que c'est intéressant. Là justement j'en ai mis une dans lui, dans Pépé. Alors moi j'utilise des chargeurs il est où le bouton, des chargeurs Traxas, donc du coup pour les batteries Traxas et HRB. Et pour le reste, j'ai du SkyRC, le T100 ou le T200. Est-ce que je suis en train d'essayer de viser en même temps, mais donc forcément piloter et viser en même temps. Mais non, je vais pas y arriver. Je sais pas où je suis. Là, je vois le chien, c'est bien. Peut-être que je rectifie. Ouais, pas mal, hein, je pense. Peut-être un peu plus. Hein. Alors, le Yikong des F7. Que Mani vous a présenté 40 000 fois. Pas de soucis. Moi, j'ai cassé un truc dessus. Il m'a dit, comment t'as fait ça, bestiaux? J'ai cassé un arbre de roue arrière. Mais bon, il avait fait plein de chutes. Je ne lui en veux pas. Et j'avais resserré ça un peu trop comme un bourrin. Je me suis trompé. J'ai essayé de faire un petit circuit, mais attention le chien. Alors ce que j'ai fait moi, du coup dessus, j'ai changé l'huile du diff central, j'ai pas changé l'huile avant. Euh,
Et j'ai mis du coup les biellettes de direction qui mettent avec. Parce que les biellettes d'origine, là, c'est vrai que ça le pince vachement à l'avant. Et l'origine, il est super. Moi, je l'avais trouvé difficile à piloter en fait, l'origine. J'ai pas mis le diff arrière encore. Bientôt. Là, pour l'instant, je continue à le rouler comme ça parce que j'aime bien, c'est faire ça. Mais comment il est beau ce truc, comment ça roule bien ça. C'est l'autre, les ronces. Super bien amorti et tout. Bon là j'en profite, en fait je vais faire rouler aussi pour que qu'on voit justement l'autonomie d'une je crois c'est qu'on voit l'autonomie d'une Yum là en 4005 avec lui. Bon c'est sur un, là c'est chez moi, donc petit terrain, j'ai pas beaucoup de vitesse. J'ai essayé d'être un peu constant. Ah bah bravo. Pour la conscience, on repassera. Alors les Yum là justement, je les ai roulés aussi dans la R21 avec un Max 8 G2. Donc avec le 42-78 G2. Un peu mou. C'est un peu mou. Ouais. Ah voilà, c'est ça que je voulais faire. Voilà, comme ça. Oh mais non, mais non, mais non. Bon, après, moi je suis un peu comme Mani, hein. Je suis levé depuis 2h du matin, là il est 2h30 de l'après-midi, j'ai pas été faire de sieste, comment ça fatigue un peu garçon. C'est vrai que cette machine elle est quand même géniale. Attention. Pousse-toi à la rampe. Oh non, mais non. Ah, c'est bon. Petite rampe, là, celle-là, faut toujours se méfier. Je vais pas vite dessus, parce que, évidemment, vu qu'elles sont plus courtes, hein, que le véhicule, ça fait pouille. Mais non. C'est pas vrai. Elle est pas là la rampe, elle est à droite hein, la rampe, elle est plus à droite hein. Je l'ai acheté au mois de juillet. Et donc là on est mois de septembre. On doit déjà avoir au moins 30 packs hein, facile. Moi je roule beaucoup moi.
J'étais au Val d'Argent l'autre fois avec, parce que je suis devenu membre du club. Au Val d'Argent, c'est un régal. C'est un régal. Mais le changement a beaucoup changé, le comportement, je veux dire, a beaucoup changé avec l'histoire des violettes de direction. Là. Du coup, on peut régler la géométrie du train avant. Je pense que c'est plus ça, vraiment, que si je mettais le différentiel arrière, oui, forcément, ça va améliorer son comportement, mais c'était difficile de le garder en ligne, en fait, tellement il avait de pincement à l'avant. Je sais pas pourquoi ils ont fait un montage comme ça sur un 4 roues motrices, en plus, c'est très bizarre. Là, je l'ai mis assez neutre, on aurait pu l'ouvrir encore un peu. Mais je voulais pas perdre en directivité. C'est un régal, franchement. Moi, mon terrain, il est un peu bosselé. Donc avec les suspensions comme ça, on se fait plaisir. Non, on est allant fort, hein. Les suspensions elles suivent le terrain, c'est monstrueux. Au début, je n'osais même pas trop sauter avec, enfin, pas lui faire des gros. Alors évidemment, on va pas faire du backflip avec. Ou... Encore que Mani, il a essayé, il a presque réussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une souche là. C'est costaud. Hein. Après, moi j'ai d'autres engins pour bourriner. Hein. X-Max, Sledge, tout ça. C'est... Si j'ai envie de faire le Zazou. Hein. Mais bon, il encaisse hein, quand même. Hein. Ah, il est remis droit, c'est bon. Oh mais non, trop de gaz. Il est vraiment fatigué. La carrosserie est vraiment solide. Méchamment solide. Ça change parce que moi j'ai beaucoup de Traxxas outre hein. De toute façon j'ai pas un Traxxas qui a pas une carrosserie Elsass Body RC dessus hein, donc, là celle-là elle est pas en papier d'alu hein. Régal. Voilà, là c'est mieux. On a un peu d'air quand même. Alors si, alors moi le truc que j'ai fait, c'est que du coup, dans la proc du Vario, j'ai remonté la coupure lipo. Je l'ai mis en haute.
Donc normalement le vario il coupe à 3-4 par cellule, ce qui fait que quand je débranche les lipos on est à 3-6. L'équilibre il est vraiment bon en plus en saut et tout. Ouais, j'y vais pas fort, j'ai pas beaucoup de place donc j'ai pas le droit d'aller devant, ma femme elle veut pas. Sous prétexte qu'il n'y a plus d'herbe après. Presque. Ah, dans l'herbe, ça raccroche un peu. Pousse-toi. Moi j'aime bien avec, avec la spool derrière hein, quand même, parce que y a le côté rigolo partir en travers. C'est sûr que c'est plus maniable avec un diff à l'arrière, mais non, encore. Attention, je suis juste à côté. Son préféré, c'est le sledge. Elle aime bien le sledge. Elle lui court après pendant 20 minutes. Oh non, 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 il n'y a ça. Parce que là-bas j'ai une bosse à force de freiner, là j'ai arraché de la terre. Ah tiens. Ouais, faut prendre un peu plus. Ah, je vais essayer de me mettre un peu plus comme ça. Oh, que bourrin, mais que bourrin. Il est bourrin, monsieur. Quand on vous dit que c'est solide. Ah bah c'était sûr, ça je pouvais pas faire deux tours sans... Fatigue, hein. Voilà. Voilà, c'est ça qui est bon. Ouh.
Il pleut. Il pleut ça. Il a ovalisé le plot. Voilà, manger l'herbe. Et les pneus sont bons. Les pneus sont excellents. Parce que si on va par là, il est où? Il est là. J'ai des pièges dans l'herbe là. Avec le X-Max qui passe tout bien ici. Là, je vais y aller, elle va voir les traces ce soir, je vais me faire engueuler. Alors, l'herbe est trop haute ici. Là. Là, c'est un peu humide, alors c'est agréable parce que du coup, il glisse bien. Exprès, j'essaie de trouver un peu pour tirer un peu sur la lipo pour vous montrer quand même un truc un peu plus réaliste, parce que c'est vrai que le circuit je l'ai fait assez sinueux, donc je tire pas beaucoup, il y a du saut. Mais en gros, même sur un avec les 4005 là, sur un bon terrain où on peut prendre un peu de vitesse, bah style au Val d'Argent, je fais bon quart d'heure, 20 minutes quoi. Moi je vous apprends rien, mais c'est surtout c'est pas trop pour lui. Mani nous en a fait le tour et le retour, mais pour les fameuses lipo Young, là, compte tenu du prix, c'est sûr, c'est pas de la batterie ultra haut de gamme, ultra performante, mais après elles font le boulot. Pour l'instant elles sont fiables. Et, de toute façon c'est un engin asiatique, il faut mettre des lipos asiatiques. Bon, de toute façon toutes les lipos sont fabriquées en Chine. Ah bah je suis en coupure. 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 Bon, et ben moi je vais aller remettre une autre lipo parce que j'étais en train de bien m'amuser. Et puis à plus tard.